Shepard. C'est ouvert. Shepard, il y a quelque chose que vous devez savoir. Très bien. Je tombe mal. Je pense à toutes les vies perdues pour en arriver là. À cause des moissonneurs, pas de vous. Vous pensez à quelqu'un en particulier ? Pendant qu'on rassemble nos forces, les victimes sur Terre sont toujours plus nombreuses. Certains se demandent même si on va revenir. Nos familles, nos amis. Ce n'est pas leur combat, mais leur sacrifice nous fait gagner du temps. Vous l'emploierez sagement. J'ai intérêt. Vous vouliez parler? Le conseiller galarien veut vous parler au plus vite. Elle a appelé la salle des transmissions. Le conseil doit prendre le creuset vraiment très au sérieux. Je vous retrouve en bas. Commandant. Je peux vous aider, conseiller? Shepard, vous devez comprendre que je vous dois ma position et que c'est une chose que je prends très à cœur. Sans vous, cet idiot de conseiller Valère ne serait encore vivant à mener les galariens dans les égouts. Et maintenant, je dois trouver un remède au génophage. Autant dire qu'il nous faut un ouragan pour éteindre un feu de forêt. Conseiller, les Krogan vont mourir en masse pour que votre peuple survive. C'est votre message. Les qualités politiques des humains dans toute leur splendeur. En parlant de ça, je dois vous parler du représentant humain, le conseiller Udina. De grosses sommes d'argent transitent sur son compte. Il faut qu'on parle du cours que prennent les événements. À mon avis, ça ne va pas vous plaire. Passez me voir aussi vite que possible. Echil, terminé. Commandant, l'amiral Hackett est disponible par vidéo. Commandant, vous voulez discuter quelque chose ? Et pour les alliés qu'on a rencontrés en chemin. Les Krogan et les Turiens ont apporté une aide précieuse. Si la femelle Krogan avait survécu, elle aurait pu rallier davantage de clans. Tant pis, on fera avec ce qu'on a. Et les Arachnis? On tente le coup. On va voir si ce que vous avez sauvé fonctionne sur le creuset. Et ? On dirait qu'ils ont un don pour les armes de destruction massive. Et franchement, ça me fait peur. Ça fait peur à tout le monde. J'espère que vous avez fait le bon choix, Shepard. Qu'en est-il des Galariens? Développement intéressant. Des équipes d'intervention du GSI promettent de nous fournir un soutien en sous-main. Même si on a guéri le génophage? D'après nos renseignements, il y a des dissensions entre militaires et politiques. Les gars du GSI connaissent la chanson. Ils ne vont pas mettre en danger toute l'Union Galarienne juste parce qu'une Talatras n'a pas obtenu ce qu'elle voulait. Est-ce que vous savez comment s'en sortent les autres races face aux moissonneurs? C'est assez incroyable, mais les Turiens et les Krogan semblent plutôt bien s'entendre. Urdnot va déployer les troupes. Ils ont réussi à stopper les moissonneurs. Les Galariens tiennent encore sur Surkesh, mais les moissonneurs commencent à resserrer les taux sur eux. Et les Asari? Elles commencent à sentir le danger. Les moissonneurs avancent rapidement en direction de Tessia. C'est intéressant. Les moissonneurs épargnent Parnak. C'est la planète d'origine des Yags. On a vu un Yag sur Surkesh. Il n'avait pas l'air content. Si on perd cette guerre, c'est peut-être eux qui domineront le prochain cycle. N'oublions pas que les moissonneurs n'exterminent pas toutes les races. Seulement celles qui peuvent les menacer. Des nouvelles de Cerberus? C'est l'inconnu de l'équation. Leur raid sur les archives de Mars indique qu'ils veulent la même chose que nous. Un moyen d'arrêter les moissonneurs. C'est ce que sous-entendait l'homme trouble. On pourrait croire qu'on est plus que jamais du même côté. Et pourtant, ils ont tenté de briser votre alliance avec les Turiens et les Krogan. J'en déduis que leurs plans n'ont pas pour but le bien de l'humanité. L'homme trouble parlait de contrôler les moissonneurs. Il semblait croire que c'était la clé de la victoire. Il a tort. La clé, c'est leur destruction. Il va quand même essayer. Si l'homme trouble a un talent, c'est de savoir pervertir la science. Ça n'a pas marché pour lui avant, ça ne marchera pas maintenant. C'est tout, amiral. Tenez-moi au courant. Terminé. Vous avez vu les vidéos du dévoreur qui vient à bout d'un moissonneur? Qu'est-ce que j'aurais voulu voir ça? Commandant, l'amiral Hackett requiert votre aide contre une base de chasseurs de Cerberus sur Noveria. Les Turiens nous ont donné un accès complet à leurs données opérationnelles. Leurs bâtiments viennent déjà appuyer la flotte de l'Alliance. Cerberus envoie des troupes loin des champs de bataille de Touchanka. Leur cible semble être un ancien canon sol-espace qui n'a pas été utilisé depuis la rébellion Krogan. Le site ne possède pas d'avantages militaires spécifiques, et les Krogan sont trop dispersés pour gérer ça. Est-ce qu'on sait ce que Cerberus prépare? Non, mais on sait que Cerberus n'agit jamais sans plan. Allez les arrêter, et tant qu'à faire, découvrez ce qu'ils manigancent. On s'en occupe. Très bien. Enquête terminée. On dirait que Cerberus a réparé le canon, commandant. J'y retourne pour voir sur quoi il tire. Occupez-vous-en. Ok. On trouve la salle de contrôle de ces canons. Tous ceux qui se mettent sur notre chemin partent à la morgue. Ça paraît simple. Vite, débranche! Il va falloir rétablir le courant! On y va! Ennemi en approche! J'ai redirigé le courant vers le terminal principal. On revient. Ennemi en approche! Commande des canons réparés. Visée fonctionnelle. Coordonnées, lieutenant. C'est envoyé. Je tire. Tire direct à tribord, commandant. La cible se brise. Je répète, tire direct. Voilà un spectacle réjouissant. C'est pas le genre de relique Krogan que je m'attendais à trouver. Shepard, avec les canons Krogan opérationnels, Cerberus nous a en fait donné l'avantage dans ce système. L'ennemi bat en retraite, mais nous pensons qu'il reviendra pour tenter de prendre le complexe. C'est probable. J'envoie une équipe de l'Alliance pour le sécuriser. Grâce à vous, ils ont pu établir une bonne position défensive. Ravi de l'entendre. Bien joué, commandant. Hackett terminé. Vous avez vu les images de Palavenne? C'est violent. Je me demande comment les Turiens tiennent. Au moins les pierres ne fuient pas quand la situation craint. Commandant, le chef mécanicien Adams voudrait vous parler dans la salle des machines. Commandant, il y a un problème avec le réacteur. Une surcharge du cœur provoquerait une éruption de plasma dans notre compartiment. Idea et moi avons réfléchi et comparé nos analyses. Je suis sûr qu'on peut rendre le système plus sûr. Il nous faut juste un conduit thermique GX-12. Malheureusement, nous n'avons pas accès au ravitaillement de l'Alliance. Vous pourriez nous en trouver un la prochaine fois que vous visitez la Citadelle? Je peux vous donner les références. J'en chercherai un à notre prochaine escale. Merci, commandant. Contrôle de l'Alliance, ici le SSV Normandie. Autorisation d'accoster? Contrôle de l'Alliance, ici le SSV Normandie en route vers la baie 14 secteur Zakera. Sommes-nous autorisés à accoster? Bon sang, qu'est-ce qui se passe là-dessous? Même si c'était une panne, des systèmes de secours seraient activés. J'ai un mauvais pressentiment. Je vérifie les canaux d'urgence. Non. Non, 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 non! Qu'avez-vous trouvé? Écoutez ça, commandant. C'est un message de détresse émis en boucle par une tour de transmission. À tous les vaisseaux, la Citadelle est attaquée. Ne tentez pas d'atterrir. Cerberus contrôle les quais. Prévenez la flotte concilienne. Expédiez les renforts au QG du SSC. La station tombera avec lui. On aurait dit le commandant Bailey. Où dois-je placer le Normandie? Les caisses sont prises, déployons-nous dans la navette. Rapprochez-nous du QG du SSC. À vos ordres, commandant. Ok, vous tous, bienvenue en enfer. Courez à couvert. Oui, chef. Ils ont scellé l'entrée. Shepard! Alerte. Les points d'évacuation sont actuellement inopérants. Bailey, vous êtes grièvement touché. Tout va bien. C'est moins grave qu'il n'y paraît. Il était temps que la cavalerie arrive. J'espère qu'on n'arrive pas trop tard. Vous savez si le conseil est encore en vie? Ils sont dispersés. J'en saurai plus en ayant accès au terminal du SSC. Vous pouvez nous faire entrer? Je vais prendre la porte. Si personne ne me tire dessus ce coup-ci. Nous y voilà. Accès au réseau du SSC de la part de Cerberus. À quoi ça va nous servir? Cerberus contrôle les canaux principaux, mais je peux en ouvrir un autre. Sans ça, nos agents n'ont ni plan ni espoir. Eh ben... Vous avez quoi? Un avertissement du conseiller Echil. Elle devrait être ici pour voir l'exécuteur. Cette action pourrait entraîner une riposte. En voilà un euphémisme. Si elle est avec eux, elle est dans le pétrin. Un conseiller, c'est mieux que rien. Où dois-je aller? Le bureau de l'exécuteur est défendable. Elle a pu se jeter au sol quand la fusillade a éclaté. C'est parti. Une seconde. Voilà, on peut parler par Omnitech. Allez. soldats dans le hall. Ils s'étaient planqués. J'en vois d'autres grâce aux caméras. Ils sont partout dans la station. Survivants ? Pas encore. Bon sang. Cherchez encore. Merde. Quel genre d'idéologie bidon vous pousse à buter des flics ? C'est un outil de recrutement pour ces barjots ? L'attaque de la citadelle peut être vue comme une étape dans l'instauration de la suprématie humaine. Le SSC pourrait être facilement diabolisé. La forte proportion de Turiens dans ses rangs et l'inaction du Conseil face à l'invasion de la Terre pourraient les désigner comme des ennemis. Ils disent à leurs gars de foutre la citadelle en l'air pour le bien de la Terre. C'est vraiment tordu. Visiblement, nous arrivons après la bataille. Nous diffusons bien un camion régie de Western Lord News. Les coups de feu que vous entendez, on dirait qu'ils ont eu l'exécuteur et deux gardes du corps galarien. Bon sang. Ok, cherchez encore. Si vous ne voyez pas le corps du conseiller, c'est qu'elle est vivante. Nous l'avons trouvée. Elle a l'air indemne. Mettez-la à l'abri. Même pas. Shepard, il va tous nous tuer. Ça reste à voir. Je parle d'Udina, c'est un coup monté. Les autres conseillers vont droit dans un piège. 3 contre 1, mon pote. C'est la fin. Non, on va s'amuser. Vous allez le payer très cher. bon sang! Il y a un assassin, il prend la fuite. Il doit être aux trousses du reste du conseil. Faites tourner l'info. Udina tente de s'emparer du pouvoir. Je dois atteindre les conseillers. On les emmène vers une plateforme pour navette sur le Présidium. Vous pouvez démarrer. J'essaie de les contacter. J'ai du neuf sur la position du conseil. Je l'envoie à votre voiture. Beau travail, Bailey. Nous y sommes presque. Négatif. Leurs gardes sont morts. Mais nous captons toujours des signes vitaux sur les transpondeurs du conseil. Où se dirige-t-il? La plateforme pour navette au-dessus de la place Chalmar. Udina est avec eux. S'il les amène à portée de cet assassin, tout sera foutu. J'y vais. Désensibilise les soldats humains vis-à-vis du meurtre. Ouais, et un moissonneur dans le crâne, c'est pareil. Ces mecs peuvent couper le ratio ou quoi? Restez concentrés. suis sur la place Chalmar. Où est le conseil? Dans un ascenseur. Ils essaient d'atteindre le quai des navettes. Quelqu'un les suit. Quelqu'un qui porte une épée. Génial. Ok, je suis dans la cage. Accrochez-vous, l'ascension sera rapide. Dites-moi que cet assassin n'a pas atteint le conseil. Il essaie, mais je force son ascenseur à s'arrêter à chaque étage. Bien vu. Je l'ai trouvé. Bousillez son ascenseur. L'alimentation est juste dessous. Vous avez descendu. Shepard, mauvaise nouvelle. Parce qu'il y en a des bonnes. L'assassin a sauté dans un autre ascenseur et il a piraté mes commandes. Il monte en ce moment. Je ne peux rien faire. Je m'en charge. Au-dessus. Vous avez senti? Des tireurs, baissez-vous! Allez! Merde, Cerberus a atteint la navette. Que tout le monde retourne à l'ascenseur. Shepard? Shepard nous empêche de fuir. Il est avec Cerberus. Courage tout le monde. Shepard, qu'est-ce qui se passe? Vous me connaissez mieux que ça, H. Je connaissais l'ancien Shepard avant Cerberus. Là, je sais plus trop à qui j'ai affaire. On n'a pas le temps de négocier. Vous vous êtes fait tout savoir. Udina est derrière tout ça. Le conseiller galarien l'a confirmé. J'ai pourtant la preuve du contraire. Voici le conseiller Echil se faisant assassiner dans le QG du SSC, et voici Shepard qui presse la détente. Vous allez le payer très cher. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Shepard? L'ascenseur derrière nous est rempli de soldats de Cerberus. Si vous ouvrez cette porte, ils vous tueront tous. Ce que dit Shepard est possible. Peu probable, mais possible. On n'a pas le temps de disserter. Si nous restons ici, nous sommes morts. Je lève le confinement. Assez, ou votre propre marine va vous tirer dessus. H, vous savez ce qui est en jeu. Faites-moi confiance. Je suis beaucoup de choses, mais je ne suis certainement pas un assassin fourbe. Vous me connaissez. Udina, éloignez-vous de la console. Ah, et puis merde. Stop! Ramenez le conseil et couvrez cette porte. La porte! Bailey? On a fait aussi vite que possible, Shepard. On dirait bien que vous avez tout réglé. Alors c'est vrai, nous étions en danger. Mais je ne comprends pas. Vous disiez que Cerberus était là. Cerberus était juste là. Mais leurs troupes ont filé dans les tunnels des veilleurs quand ils ont su que nous arrivions. Navré, conseiller, j'irai droit au but. Shepard vous a sauvé la peau. Alors je vous suis redevable, Shepard, pour nos vies et pour l'accord entre le Primarch et le Krogan que je ne parvenais pas à obtenir. Vous ne me devez rien, conseiller. Dans des moments comme ça, on se serre les coudes. Shepard, pourquoi Cerberus ferait une chose pareille, à votre avis? J'en sais rien. Mais je compte bien trouver. Très bien, les gars. Les grands pontes sont évacués et nous avons un tunnel et 1000 autres endroits à nettoyer. Bougez-vous! Oui? Ça ne s'est pas passé comme prévu. Le Conseil contrôle toujours la citadelle. Et Udina est mort. Udina était sacrifiable. Et maintenant? D'autres plans sont en branle. Je vous en dirai plus à votre retour. Je suis surpris que vous ayez laissé Shepard vous battre, Leng. Ça ne se reproduira pas. Nous verrons. On a passé au crible la moindre parcelle de ces tunnels, Shepard. Votre copain de chez Cerberus s'est volatilisé. Ce sont des tunnels, exact? Juste une entrée et une sortie. Non, ce tunnel des veilleurs mène du hall des ascenseurs vers une superstructure. Une fois dedans, c'est comme visiter une fourmilière. On ne connaît même pas son identité. Il a lâché une IV dans le réseau de la citadelle qui a effacé toute trace vidéo de lui. C'est sûrement comme ça qu'Udina a pu avoir si vite des images trafiquées de vous. Qui que ce soit, c'est un pro. C'est un être comme vous et moi. Il commettra une erreur. J'espère être là pour le voir. Beaucoup de braves gens sont morts aujourd'hui. D'ailleurs, il faut que j'aille voir les blessés. Faites attention à vous, Shepard.